On marche et quand on se croise, on se salue. Se saluer tout en équilibrant l'espace scénique, l'un des premiers enseignements qu'on en apprend au théâtre. Depuis lundi 29 février, ils sont 8 à bénéficier des conseils d'une professionnelle, une première pour le Prisme d'Élancourt. Ce stage s'inscrit dans le cadre de notre programmation vacances créatives qui viennent de se mettre en place cette saison. L'idée, c'était de pouvoir proposer à des enfants de passer leurs vacances dans un théâtre avec une activité artistique. Travail sur le corps, relation à l'autre, articulation, autant d'exercices abordés toute la journée sous la direction d'Evelyne Baget, comédienne depuis 40 ans. Le plus important pour elle, c'est de donner la parole à ses jeunes élèves. On apprend des choses, on s'amuse, le professeur est super sympa. Enfin, on fait plein de trucs que moi, j'avais pas fait de stage avant et pas du tout de théâtre. Et du coup, j'ai appris plein de choses. On travaille sur des exercices de mise en scène et aussi sur notre voix, nos mouvements. Plein d'exercices qui font un peu qui font référence un peu au théâtre, des émotions, travailler la colère, le dégoût, la tristesse. Avec l'aide de leurs professeurs, ils ont créé plusieurs scénettes en laissant libre cours à leur imagination. Les petits comédiens ont encore jusqu'à vendredi pour parfaire leur prestation avant de se représenter sur scène devant leurs parents. Le Prisme prévoit déjà une deuxième édition de ses vacances créatives pour le mois d'avril.